ouvrir la séance. 11h moins le quart. Et je déjeune à 11h30. Et nous étions convoqués pour 9h. C'est dégoûtant. Le lendemain d'un réveillon, il faut s'attendre à quelques inexactitudes. Ce n'est pas de ma faute. Nous ne sommes pas au complet. Nous sommes en nombre pour délibérer. Eh bien, délibérons. Ah, voici le docteur Fiss. Ah, mille pardons, mon cher maire, mille pardons. Ah, bonjour, docteur. Oui. Bonjour, cher docteur, comment allez-vous? Mille pardons, monsieur le maire. Je suis déçu. Bonjour, pardon. J'ai été retenu par une opération délicate. Depuis ce matin, je suis en train de recueillir la sensibilité de ma cuisinière qui s'était extériorisée dans un moulin à gaufre. Vraiment ? Un moulin à gaufre ! Ce n'était pas une petite affaire. Enfin, si vous voulez, messieurs, nous allons ouvrir la séance. Je vous en prie, et encore pardon, n'est-ce pas ? Messieurs, la séance est prête. J'ai là quelques lettres d'excuses de nos collègues absents. Ça n'a d'ailleurs aucun intérêt. Dois-je vous en donner connaissance ? Inutile, n'est-ce pas ? Des rhumes, des bronchites, des lumbagos, des dames qui accouchent. Pour moi, on ne pourra pas dire que le conseil municipal favorise la dépopulation française. N'est-ce pas, docteur ? Figureront au procès-verbal. C'est bien de l'honneur. Ah, le règlement, messieurs. Je dois une mention particulière à notre honorable collègue, M. Isidore Théophrase Barbarou, qui fut arrêté hier soir. Encore, oui, mais c'est la troisième fois, n'est-ce pas ? Et son absence aujourd'hui est sinon légitime, du moins justifiée par cette formalité judiciaire. Remarquez, messieurs, que je n'incrimine pas, je constate. Quel est le soi-disant motif de l'arrestation ? Toujours le même. Si les renseignements sont exacts, et j'ai tout lieu de croire exact, ce motif serait purement commercial. Notre honorable collègue aurait été arrêté pour avoir vendu à la troupe de la viande corrompue, ou soi-disant-elle. Je pense, messieurs, que nous n'avons pas à nous prononcer sur cet incident purement commercial. Je le répète, il faut attendre les décisions de la justice. Je demande la parole. D'ailleurs, le crime d'un individu, si crime il y a dans l'espèce, ne saurait engager la collectivité. Exactement. Très bien. Sans entrer dans le fond même du débat, laissez-moi déclarer ceci. Ma conviction est ce que l'on poursuit. Notre collègue, ce ne sont pas ses viandes corrompues, mais bien ses opinions avancées. C'est peut-être aller un peu loin, mon cher docteur. Nullement. En ma qualité de médecin et de savant, je sais ce que je dis. Vous m'accorderez que ces questions me sont familières. Eh bien, je dis que tout cela est singulièrement arbitraire et anti-scientifique au premier chef. D'abord, les viandes pourries... Mais vous-même, en avez-vous mangé, n'est-ce pas ? Mais parfaitement ! Et vous voyez que je ne m'en porte pas plus mal, le coffre est bon. Ça, c'est extraordinaire, hein ? C'est formidable. Il faudrait pourtant s'entendre une bonne fois. Non seulement je ne crois pas à la nocuité de la pourriture, mais je lui crois au contraire des propriétés stomachiques de premier ordre. D'ailleurs, pourquoi la pourriture est-elle louable chez la bécasse ? Et criminel chez le bœuf. C'est idiot. Toutes les pourritures doivent être égales devant la loi. Est-ce une illusion ? Ça suffit, hein ? En présence d'une aussi étrange anomalie, laissez-moi déclarer ceci. Ma conviction, c'est que je vous laisse la parole. Est-ce que vous voulez le mettre au procès-verbal ? Le conseil ne voit pas d'inconvénient. Regarde surtout la personnalité si considérable de notre éminent collègue, le docteur Trissette, dont les moindres opinions sont pour tout le monde un enseignement et lumière. Je remercie monsieur le maire de ses nobles paroles. Elle me venge de bien des injustices professionnelles. Dois-je ajouter que notre collègue Barbarou s'est toujours montré un boucher d'une loyauté parfaite envers ses clients civils. Et s'il est vrai qu'il a vendu quelques viandes inférieures et corrompues,
ce n'a jamais été qu'à des militaires. Bon, je m'étonne que les estomacs soient devenus tout d'un coup aussi intolérants. Et aussi à des pauvres. Oh, non, c'est qui n'a pas d'importance. Dois-je aussi mentionner cette dernière observation? Ma foi, qu'en pensez-vous? Nous verrons tout cela tout à l'heure. Je vous donnerai la rédaction du tout à la fin de la séance. J'aime mieux ça. L'incident est clos. Et maintenant, messieurs, si vous le voulez bien, nous allons nous occuper de cette grave, de cette importante et urgente question pour laquelle je vous ai convoqué en séance extraordinaire. Et secrète! De quoi s'agit-il? Messieurs, j'ai une nouvelle délicate et fâcheuse à vous apprendre. Mais rassurez-vous, quand je dis fâcheuse, c'est pour conformer mon langage. Votre éloquence. Pour conformer mon langage au langage usuel que des sentimentalités faucombrageuses. Bah, très bien, très bien. Que de trop systématiques oppositions. Bravo, bravo. Des rivalités même, si j'ose dire, de véritables empiètements de pouvoir, des abus d'autorité, en un mot. Parlez clairement, on ne vous comprend pas. Veuillez ne pas interrompre. Messieurs, dans ce que j'ai à vous apprendre, il n'y a rien de grave, rien qui puisse vous effrayer. La nouvelle en soi n'est pas extraordinaire, ce n'est pas proprement parler une nouvelle, une de ces nouvelles qui, bref messieurs, c'est, si je puis m'exprimer ainsi, un ennui périodique. Très bien, très une crise annuelle, un retour offensif. À la question, pas d'allusion politique ici, nous ne sommes pas ici pour faire de la politique. Il ne s'agit pas de politique. Il ne s'agit pas de politique. Eh bien de quoi s'agit-il alors? Pourquoi toutes ces précautions? Pourquoi ce mystère? Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais... Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, taisez-vous. Je me tairai si je veux. Vous n'avez pas de leçon à me donner. Monsieur, je vous en prie. Nous ne sommes pas ici dans votre cabaret, avec toutes les filles et tous les souteneurs de la ville. Monsieur... Eh bien, venez-y donc dans mon cabaret, comme vous dites. Osez donc y venir. Cabaret, le meilleur café de la ville. Le plus beau café de la ville, un café Louis XVI. Venez-y. Oui, j'irai. J'irai pour le faire fermer. Je ne puis comprendre qu'on tolère des établissements pareils. C'est une honte, une immoralité, un attentat à la pudeur. Messieurs. Et vous qui vendez des farines avariées, des petits morceaux de terre pour du café et des feuilles d'épinards sous le nom de Térus. Oh, utérus. De Térus. Moi, oui. Et vos petits beurres qui datent de la Déclaration des droits de l'homme. Cabaret, un établissement de premier ordre. J'ai installé un cinématographe. Messieurs, je vous en supplie. Je fais appel à votre patriotisme, à votre sentiment d'union, de concorde, à votre dévouement municipal. Non, messieurs, il ne s'agit pas de politique. Il s'agit de la ville. Des intérêts de la ville, du salut de la ville, de la ville que vous aimez, que vous représentez, que vous administrez, messieurs. Une épidémie de fièvre typhoïde vient de fondre sur la ville. Une épidémie sur la ville? Sur la ville? Vous voyez bien, messieurs, qu'il ne s'agit pas de politique. Sur la ville, une épidémie. Enfin, quand je dis sur la ville, ce n'est pas tout à fait exact, Dieu merci. L'épidémie n'est pas sur la ville, elle est. Mais elle est où? Elle est sur quoi? Est-elle sur la ville ou non? Précisez. Elle est sur quoi, cette épidémie? Allons, parlez. Ne laissez pas parler. Écoutez donc. L'épidémie est sur la ville et pourtant, on n'y est pas absolument. Oh, bah oui, mais. Elle y est sans y être. Je m'explique. L'épidémie est sur l'arsenal. Et principalement sur la caserne de l'artillerie de marine. Très bien. Eh bien, il fallait nous le dire tout de suite et nous éviter d'inutiles angoisses. Certes, nous ne craignons pas les épidémies. Nous leur avons toujours opposé un viril dédain. Toujours, nous les avons traités par le mépris. Mais nous avons de la famille et nous avons des amis, que diable! Et puis, la caserne n'est pas la ville. L'arsenal n'est pas la ville. Et puis, tous les ans, il y a des épidémies sur la caserne. Nous n'y pouvons rien. Cela ne nous regarde pas. Bravo. Du calme, messieurs, du calme.
Ne nous emportons pas. Procédons avec méthode. Combien de décès? Hier, 12 soldats sont morts, ce matin, 16. Ah. Et combien de malades? À l'heure actuelle, on compte 135 malades. Ah oui, mais ça c'est normal. Pas d'officier? Non, pas d'officier, heureusement. Le mal s'arrête aux adjudants. Il ne s'attaque qu'aux simples soldats et aux sous-officiers, comme toujours. Oui, mais ça c'est normal, c'est normal. Ah, mais je remercie monsieur le maire de ses explications loyales et rassurantes. Je ne vois pas du tout, mais alors pas du tout, pourquoi l'on nous a convoqués. Cette épidémie n'est pas de notre ressort, j'allais dire de notre juridiction. Elle n'offre aucun caractère municipal. Une administration sage doit être en même temps prévoyante. L'épidémie peut s'étendre de l'arsenal à la ville, du militaire au bourgeois. Oh, allons donc. Nous n'avons pas à prévoir des choses qui ne sont pas encore arrivées. On est la marche, si je puis dire, l'esprit de ces sortes d'épidémies. C'est un esprit hiérarchique. Si contrairement aux avis de la science, une pareille chose devait se produire, si des symptômes alarmants que nous n'avons pas le droit de préjuger se manifestaient, nous aurions toujours le temps de prendre les mesures nécessaires. En l'état actuel, nous ne devons pas intervenir. À l'autorité maritime d'aviser si elle le juge utile. Bravo, bravo, bravo. C'est là où je voulais en venir. Le préfet maritime est fort en colère. Je l'ai vu hier soir, il m'a dit que cela ne pouvait pas durer. Il prétend que les casernes sont d'immondes foyers d'infection, que l'eau bue par les soldats est plus empoisonnée que le purin des étables. Bref, messieurs, il exige que nous reconstruisions les casernes, que nous amenions de l'eau de source dans les casernes. Il exige encore... Oh, mais il exige, mais c'est de l'insolence. De la folie. Du gaspillage. Nous n'avons pas l'argent pour le tel contégie, n'est-ce pas? La commune est obligée. Il nous faut un cocon, le théâtre. Décorer l'hôtel de nuit, car enfin, est-ce un hôtel de nuit? À quoi ressemblons-nous dans cette baraque? Non, mais il est inouï, quoi, mais là, il est inouï. Et si les soldats vont prendre d'eau, parce qu'ils boivent de la bière. Exactement. Et si les casernes sont malsaines, eh bien qu'ils campent. Bravo. Oui, c'est ça. Sans doute, vous avez raison. En principe, vous avez raison, mais... Vous connaissez le caractère autoritaire, violent, d'une pièce de notre préfet maritime. Il m'a fait entendre qu'il déplacerait les régiments, qu'il les enverrait dans une autre ville. Plus de commerce, messieurs. Plus de musique le dimanche. Ce serait une véritable catastrophe pour notre chère population. Je ne veux tout de même pas laisser crever mes soldats comme des mouches, m'a-t-il dit. Allons donc. Il veut nous faire peur. Est-ce qu'on déplace un arsenal français comme un cirque américain? Est-ce qu'on transporte un port de guerre comme des chevaux de bois? Et puis c'est malheureux, soit. Plaignons-les, je le veux bien. Mais après tout, les soldats sont faits pour mourir. Ah, exactement. C'est leur métier de mourir. Leur devoir de mourir. Leur honneur de mourir. Tout à fait. Aujourd'hui, qu'il n'y a plus de guerre en France, les épidémies sont des écoles. De nécessaires et admirables écoles d'héroïsme. Exactement. S'il n'y avait pas d'épidémie, messieurs, où donc les soldats apprendraient-ils le mépris de la mort, le sacrifice de leur personne à la patrie? Bravo, bravo, bravo. Où donc cultiveraient-ils cette vertu si française, le courage? Ce qu'on nous demande, messieurs, c'est de consacrer une lâcheté. De déconsidérer l'armée. De diminuer l'honneur national, de tuer le patriotisme, eh bien non. Bravo. Je m'associe aux idées si généreusement exprimées par mes honorables collègues. J'irai plus loin. Aujourd'hui, la science est au microbe, à l'eau de source, au logement salubre, à l'antisepsie, à l'hygiène. Messieurs, c'est là une simple hypothèse, une hypothèse de littérateur, d'intellectuel, qu'aucune expérience décisive et loyale n'est venue confirmer. Demain, d'autres théories inverses à celle-là se succéderont, aussi peu probantes. Démontré par les faits. Eh bien, messieurs, les communes doivent-elles subordonner leur activité progressiste et leurs ressources budgétaires aux fantaisies inconsistantes et ruineuses des savants? Doivent-elles se plier aux caprices d'une science qui ne sait pas ce qu'elle veut
et qui se dément elle-même tous les 8 jours. Je ne le pense pas. Et pourtant, moi aussi, je suis un savant. Très bien. Nos pères, messieurs, ignoraient ces choses. Ils ignoraient les bacilles, les bouillons de culture, les sérums, les inoculations, les vaccinations, les microbiographies, les commissions d'hygiène. Je ne savais pas ce que c'est que les congrès médicaux, ce que c'est que Monsieur Boisdel. Ils se contentaient des maisons et de l'eau qu'ils avaient. Ils ne prenaient même pas de bain. Même pas de bain, comprenez-vous? Or, l'histoire ne nous dit pas qu'ils se soient plus mal portés pour cela, au contraire. C'est vrai. On nous objecte toujours, et l'Angleterre. Messieurs, nous ne sommes pas en Angleterre. L'Angleterre est l'Angleterre. Et la France est la France. À chaque peuple, son génie. Restons français. Et vive la France! Laissons donc cette épidémie poursuivre son cours naturel, son évolution nécessaire. Il ne faut jamais violenter la nature. Croyez-moi, elle sait ce qu'elle fait. Bravo. Permettez-moi d'ajouter une observation qui va peut-être éclairer ce débat d'une plus vive lumière. Malgré ses allures cassantes, le préfet maritime n'est pas un mauvais homme. Et je crois que l'on peut s'entendre avec lui. J'ai le sentiment qu'il ne se préoccupe pas de l'épidémie, en tant qu'épidémie, du moins, non. Seulement, il redoute l'opinion. Il craint la presse. Il a peur d'une interpellation à la Chambre. Vous savez avec quelle violence la marine est attaquée en ce moment. Rien qu'à la pensée que M. Lecroy puisse revenir ici tripatouiller son arsenal, il s'affole. Mettez-vous à sa place. Eh bien, si j'ai compris le fond de son idée, pourvu que nous votions les dépenses nécessaires aux travaux susmentionnés, le préfet se tiendrait pour satisfait. Ce qu'il demande, c'est une formalité. Sa prétention n'irait pas jusqu'à exiger l'exécution de ce vote, non. Il veut se mettre en règle vis-à-vis de l'opinion, de la presse, du Parlement, de M. Lecroy. N'est-ce point, en somme, un désir légitime, une prudence louable? Et dangereuse pour nous. Qui nous garantit la pureté de ses intentions? Moi. Moi, dis-je. Ce n'est pas assez. Avez-vous un engagement écrit? Non. Et vous a-t-il donné sa parole d'honneur, n'est-ce pas? Non, mais j'ai quelque chose de plus, quelque chose de mieux. Le souci de sa tranquillité. Il faut se méfier. Et de quoi? Et pourquoi? Je vous assure qu'une fois l'épidémie passée, il ne sera plus question de rien. Et nous recommencerons tous les ans. Il faut se méfier. Autrement, songez aux luttes quotidiennes, aux hostilités sourdes, terribles, qui vont mettre la zizanie dans la ville. Sans compter qu'elles seront préjudiciables à nos intérêts électoraux. Sans compter aussi que toutes les femmes, que toutes nos femmes, sont avec des officiers de marine. Parlez pour la vôtre. Je méprise ces insinuations vulgaires et injustifiées. Où en est-elle déjà? Toutes nos femmes avec les officiers de marine. Ah oui. Réfléchissez, messieurs. Ne vous heurtez pas des partis pris respectables sans doute, mais impolitiques. Dans les conditions que j'ai dites, je crois que nous pouvons voter des crédits, que nous pouvons même nous montrer généreux, puisqu'il ne nous en coûtera rien. Je proteste. Ce serait d'établir un précédent déplorable. Et toutes les casernes de France sont affectées. Oui, et toutes les eaux imbuvables. La fièvre typhoïde est une institution nationale. Ne touchons pas aux vieilles institutions françaises. Non, messieurs. Ne touchons pas à ce qui fait la force de notre belle armée. Ce qui est son honneur. L'intrépidité devant la mort. Bravo. On ne donne pas à l'étranger le spectacle douloureux d'une armée française qui battrait en retraite devant quelques problématiques microbes. L'armée française, messieurs, synonyme d'Austerlitz et de Marengo. Bravo. Et non d'antiseptie ou d'hygiène. Allez dire à votre maître
Après les admirables paroles que vous venez d'entendre et l'accueil enthousiaste que vous leur avez fait, je crois qu'il est inutile de mettre aux voix la proposition concernant les crédits. Je m'incline, messieurs. Pas de vote. Pas de crédit. Pas d'équivoque, une situation nette. Il y a encore de grands cœurs français. Un homme en deuil. Un homme en deuil? Ah. Un homme de la ville? Je ne sais pas. Vous ne le connaissez point? Non. Et il est reparti sans rien dire? Sans rien dire. C'est surprenant. Je ne sais pas pourquoi je pressens un malheur. Messieurs, il y a un malheur dans cette lettre. Bah, ouvrez-la, ouvrez-la. Je n'ose ouvrir. Allons. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'il y a? Parlez donc! Qu'est-ce qui se passe? Messieurs, nouvelle incroyable, affreuse, foudroyante! Mais parlez! Messieurs, un bourgeois est mort. Un bourgeois est mort, emporté par l'épidémie. Oh, ce n'est pas possible! Ce n'est pas possible! Ne touchez pas à cette lettre! Brûlez cette lettre! Elle ne peut être pas désinfectée! Ah! Désinfectons, messieurs! Ah! Désinfectons! Oh! 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 Désinfectons! Nous ignorons son nom, qu'importe. Nous connaissons son âme, messieurs. C'était un bourgeois vénérable, gras, rose, heureux. Son ventre faisait envie aux pauvres. Chaque jour, à heure fixe, il se promenait souriant sur le cou. Et sa face réjouie, son triple menton, ses mains potelées... était pour chacun un vivant enseignement social. Il semblait qu'il ne dût jamais mourir, et pourtant il est mort. Un bourgeois est mort. Un bourgeois est mort. Un bourgeois est mort. Il ne m'appartient pas, messieurs, de juger la vie de ce bourgeois admirable, fraternel, que nous pleurons tous. D'autres plus... méritant, lui rendront ce suprême hommage. Messieurs, si le bourgeois dont nous déplorons la perte tragique et prématurée ne se signala jamais à la reconnaissance de ses compatriotes et de la ville, que grâce à votre confiance, j'ai l'honneur d'administrer, qu'il me soit permis de rendre à ce bourgeois inconnu et si cher la justice qui lui est due. Parlez! Je me le figure ainsi. Avec quelle émotion! Courtaud et rondelet, il avait entre des jambes grêles un petit banc, bien tendu sous le gilet. Sur le plastron de sa chemise, son menton s'étageait congrûment. En un triple bourrelet de graisse jaune. Ses yeux, au milieu des paupières boursouflées, jetaient l'éclat triste, livide, et respectable de deux petites pièces de 10 sous. Il était beau! Bravo! C'est vrai! Oui, messieurs Joseph! Appelons-le Joseph, comme son grand, son immortel aïeul. Joseph, donc, en qui je veux considérer plus qu'un homme, un principe social,
nous aura donné toujours l'exemple d'une vertu qui fait les hommes forts et les peuples libres, l'économie. Oh, quel malheur, quel malheur! Dans une époque troublée comme la nôtre, ce fut l'honneur de Joseph d'être demeuré fidèle, faire face et déface, comme dit le poète, à des traditions nationales. Pleurons-le et admirons-le, messieurs! Vive Joseph! Admirons-le, car jamais il ne goûta la moindre joie, ne prit le moindre plaisir. Quel malheur, quel malheur! Ce fut un héros. Ce fut LE héros. Oui, un héros. Un héros modeste, silencieux et solitaire. Comme il sut écarter de sa maison les amis, les pauvres et les chiens. Comme il sut préserver son corps de son cœur des basses corruptions de l'amour, son esprit des pestilences de l'art. Il détesta, ou mieux, il ignora les poésies et les littératures, car il avait horreur de toutes les exagérations, étant un homme précis et régulier. Et si les spectacles de la misère humaine ne lui inspirèrent jamais que le dégoût, en revanche, les spectacles de la nature ne lui suggérèrent jamais rien. Chaque matin, il s'en remettait au petit journal du soin de sentir et de penser pour lui. Oh, quel malheur! Oh, quel malheur! En conséquence, messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Conseil les deux propositions suivantes. Primo, les obsèques de Joseph seront célébrées solennellement et en grande pompe aux frais de la ville. Secondo, une statue lui sera élevée sur l'une de nos principales places. Que l'on donne à une rue de notre belle cité son nom, quand nous le connaîtrons. Bravo! Qu'importe le nom, pourvu qu'on ait la place! Bravo! Non, messieurs, il ne faut pas nous laisser abattre par cette mort imprévue et irrégulière. Anti-scientifique même, comprenez-vous? Nous devons lutter! Oui! Oui. Aux circonstances douloureuses, opposons les résolutions viriles. Oui. Au péril qui nous menace, l'énergie qui en triomphe. Oui. Messieurs, êtes-vous prêts à tous les sacrifices? À tous. Tous. Alors, il nous faut de l'argent. Oh. Nous en trouverons. Nous en inventerons. Nous en forgerons. Les emprunts. Les octrois. Les expropriations. Oui, il faudra démolir les vieux quartiers de la ville, ces foyers d'infection. Et bien, nous les démolirons. Et les reconstruire. Et bien, nous les reconstruirons. Faire jaillir de partout des sources d'eau pure, des sources larges et profondes comme la mer. Bravo. Qu'elles ne jaillissent pas, nous irons les capter au cœur vierge des montagnes. Oui. De la Suisse. Oui. Des Carpates. Oui. Du Cognac. Oui. Oui. Des appareils stérilisateurs toujours en marche, bravo, des entrepôts d'acide phénix, des laboratoires de chimie antiseptiques. Nous établirons des commissions d'hygiène en permanence, oui, des commissions de salubrité, des syndicats de prophylaxie, oui, médicaux, oui. Des instituts pastoriens, oui. Des lazarets autour de la ville, oui. Votons, guerre à la mort, guerre aux microbes, vive la science. Votons, votons. Oui, messieurs, nous allons voter. Nous allons voter des choses inouïes, des mesures exceptionnelles, révolutionnaires même, des sommes formidables. Mais auparavant, je propose au Conseil de flétrir par un ordre du jour Isidore Théophraste Barbaroux,
dont les agissements criminels et les viandes contaminées ont peut-être aidé au développement de cette épidémie, à la virulence de cette contagion. Barbarou est un misérable, un empoisonneur, un assassin, un socialiste. Maintenant, mes amis, votre... Je demande 10 millions. Oui. 20 millions. Oui. 50 millions. Oui. 75 millions. Ah oui. 100 millions. 100 millions. 100 millions. 100 millions. 100 millions. 100 millions. Arrêtons-nous à ce chiffre de 100 millions. Et si les 100 millions ne suffisent pas, nous en voterons. Oui, oui, oui. 100 millions. 100 millions. 100 millions. Mais où trouverons-nous tous ces millions? Nous les trouverons, monsieur, dans notre héroïsme. Oui. Dans notre volonté. Oui. Dans notre patriotisme. Oui. Dans notre foi. Oui.